Retour à Nîmes-Capresse avec la catégorie tourisme et plus précisément la division de et la cylindrée maximum auquel sont autorisés les pilotes dans cette catégorie. Et puis là, allez, n'ayons pas peur de nous, un de nos meilleurs joueurs dans ce nouveau championnat qui se lance, puisque, eh bien, on retrouve le pilote breton et de ce point, le pilote surpris par la puissance, mais en tout cas il y a tout ça a l'air de porter ses fruits avec cette magnifique voiture avec le châssis dit T, châssis qui a appartenu à pilote qui pouvait il y a deux ans la totalité du championnat de France, et puis Olivier, il a fait l'acquisition l'an dernier, il a fait quelques plus en cette place avec des résultats tout autres la terre, et donc il s'est dit je crois que de la on va se voir de plus en plus présent sur les pistes du championnat de France de Total Sébastien France. Le métier qui est conduit aujourd'hui, c'est Olivier Dupont. Olivier Dupont, le pilote revient. Allez, on va tout de suite le temps de référence d'Olivier Dupont en 50.05. Alors, pour les experts du sport automobile, et bien je peux vous dire que Olivier Dupont est en train d'aller chercher les meilleurs temps du sprinter de la division 1. Et là, je peux vous dire que pourtant, on n'est pas du tout sur la même machine, ce qui montre l'importance de la performance d'Olivier Dupont pour ce ici. Ah mais un copain.